JBR Famille, c'est Jérémy, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la ville de Lublin ou Lublin en Pologne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications juste en dessous pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Si vous appréciez le contenu que je partage, assurez-vous également de donner un gros pouce bleu. C'est le meilleur moyen de me montrer votre soutien. Bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille ou quiconque qui pourrait également apprécier ce que j'ai à vous offrir. Maintenant, plongeons directement dans le cœur du sujet de la vidéo. Bienvenue à Lublin. Lublin. Une ville dynamique et riche en histoire située dans l'est de la Pologne. Lublin, ou Lublin encore une fois, je vais prononcer Lublin, est la plus grande ville de la région de Lubusz. Lubusz. Et est reconnue pour son charme unique, son patrimoine culturel et sa vie urbaine animée. Que vous soyez un passionné d'histoire, un amateur d'art ou simplement à la recherche d'une expérience culturelle inoubliable, Lublin a quelque chose à offrir à chacun. Fondée en au XIIIe siècle, Lublin possède un passé fascinant qui se reflète dans son architecture variée. La vieille ville de Lublin, avec ses rues pavées et ses bâtiments historiques, est un témoignage vivant de l'évolution de la ville au fil des siècles. Le château de Lublin, érigé au XIVe siècle, domine l'horizon et n'offre une vue panoramique sur la ville. Lublin est un foyer culturel avec de nombreux théâtres, galeries d'art et festivals tout au long de l'année. Le festival de théâtre expérimental Confrontation attire des artistes du monde entier, tandis que le carnaval, attention, excusez-moi pour la prononciation, mes excuses viennent du plus profond de mon cœur, est un événement coloré célébrant les arts de la rue. Les musées de la ville, tels que le musée de l'histoire de Lublin, offrent des expositions captivantes sur l'histoire locale et nationale. Lublin est également un centre éducatif majeur abritant plusieurs universités renommées. L'université de Lublin, fondée en 1661, est l'une des plus anciennes d'Europe centrale. La ville attire de nombreux des 3-4, excusez-moi, la ville attire des étudiants nationaux et internationaux, créant une atmosphère jeune et dynamique. Si vous l'avez pas compris, je lis un texte et non, je ne ferai pas de coupure. Quand je me trompe comme ça, ça rajoute un petit côté naturel. Et là, pour le coup, j'improvise, hein, je ne lis pas de texte. Le texte, il est là pour m'aiguiller, mais je peux rajouter des choses à dire, bien évidemment. L'architecture de Lublin est un mélange harmonieux de styles allant du gothique au baroque. La place du marché entourée de maisons colorées est le cœur de la ville. La chapelle trinitaire avec ses fresques médiévales et la cathédrale de Lublin, célèbre pour ses vitraux impressionnants, sont des joyaux architecturaux à ne pas manquer. Lublin s'anime la nuit avec une vie nocturne vibrante. Les cafés, bars et clubs disséminés dans la ville offrent une variété d'expériences. Que vous souhaitiez déguster une bière artisanale dans une taverne historique ou danser au rythme de la musique électronique dans un
club moderne, Lublin a tout ce qu'il vous faut pour vous satisfaire vos envies nocturnes. En conclusion, Lublin, la perle de l'Est de la Pologne, est une destination qui mêle harmonieusement histoire, culture, éducation et divertissement. Que vous soyez fasciné par le patrimoine architectural, passionné par la scène artistique ou simplement en quête d'une expérience urbaine animée, Lublin vous accueille à bras ouverts. Venez découvrir la richesse et la diversité de cette ville exceptionnelle. Lublin vous réserve une aventure culturelle inoubliable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai aimé la créer pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous sur ce que vous avez préféré ou sur les idées que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Je tiens également à rappeler à tous les nouveaux venus sur la chaîne, si vous n'avez pas encore appuyé sur ce bouton d'abonnement, c'est le moment parfait pour le faire. Rejoignez la JBR Family en cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cocher la petite cloche des notifications pour être alerté à chaque nouvelle vidéo, bien évident. Un énorme merci à tous ceux qui soutiennent la vidéo, que ce soit par le biais des likes, des commentaires, des partages. Vous faites de cette communauté un endroit génial. Je suis extrêmement reconnaissant. Alors, en vous remerciant encore une fois, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure passionnante. Prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao.